nous saluer tout auditeur yo. Et je dis à son spécial la pied qui a duré à peu près 30-35 minutes et nous t'ai dit nous ça auditeur, donc je dis à nous pas prêter trop, n'a pas essayer moins causer globalement. Nous saluer tous les amis tripota la caillou, tout auditeur yo. Donc Cyrus, comment vous êtes? Voilà, en forme, nous saluer tout auditeur yo. Donc nous avons une capsule de 30 minutes pour nous mon kembe émission pour nous kembe moun yo. Yeah. Et donc, motivé. Donc on est très rapide parce que nous pas grand pile de temps et nous ouais semaine ça une un dossier qui domine l'actualité à c'est insécurité et donc bon moi-même j'ai l'idée sous ça et qui ça de insécurité à pour moi-même son insécurité qui les guidé et qui ont double objectif politique et donc moi-même et les m'a font analyse de situation sécuritaire pour gens mon a mouri sous cité soleil et gens que craint insécurité à monter donc moi même auditeur et amis yo moi même qui j'aime garder et lorsqu'on est qui gens infrastructure insécurité à organiser en Haïti a dit que et bon parti dans infrastructure c'est oligarque yo politicien traditionnel qui reste avec yo avec chef de gang yo qui en bas et puis ou bon l'autre structure parallèle qui c'est Aristide avec gang Palio et Printemps Belize et nèg qui t'ai touyé pasteur Leroy toute équipe ça yo donc ou vinn garder que ouais sécurité a gain dans quatre moun qui a tombé et volume sécurité qui monte semaine ça. Pour moi-même, il y a deux rails principales. Premier rail là, c'est que oligarque vient faire une analyse, yo wè ki système nan Ariel pa ka protéger ni renforcer. Yo wè Aristide pa ka protéger ni renforcer système nan encore. Yo remarqué wè je peuple la calé, Jovenel Louis je peuple là, yo wè système nan craser nan main. Donc objectif oligarque c'était faire une mission militaire Nations Unies entre en Haïti. Pour venir protéger intérêt yo qui pour permettre tout oligarque qui était dans maron à l'étranger et ben à cause de présence on l'armée pépé en dedans pays a yo ka rentrer venir défendre intérêt yo. Premier objectif ça yo te gagné pour faire mission militaire à passer li échoué dans réunion conseil de sécurité a. Donc bon réunion qui doit faire tout vendredi. Il a essayé d'influencer la réunion ça à tout vendredi 15 juillet parce que il y a un problème tout pour renouveler mandat binu. Il n'a pas appui de protection que au gagné ces missions Nations Unies oligarque et moun qui fait partie de système là. Donc pour moi même insécurité qu'on est dans cité soleil là, chef de gang n'a pas comme ça. Même pour moi même c'est oligarque qui voye chef de gang yo à le faire tout ça ou fait cité soleil là côté mon a tombé les oligarques la fin fait touyer moun yo c'est même oligarque ça qui a fait Pierre Espérance écrit rapport tout bagay ça ou pral servi dans réunion conseil de sécurité qui a fait vendredi 15 juillet pour garder si ou ka renouveler biné yo va laisser tout pousser pour faire mission militaire qui haïtien pa vle a on l'autre bord. Insécurité a un autre objectif séparé. Aristide pense que s'il monte volume insécurité a un ensemble de manifestations qui fait dans le pays a, yo ka voye Ariel aller, lui même porte la louvre pour faire coup d'état par là. Mais ça Aristide pas ouais c'est que dans tête peuple là qui vient ganger calé, si peuple a dit on fait n'a fait tout bon, peuple là va passer prendre Ariel seulement, la passer prendre Aristide. La passe prend moun ki nan akò Montana yo, la passe prend moun ki nan akò Pen yo, la passe prend oligarque yo. Et c'est pour ça nan moment sa akò viv la son moment historique. Moment historique c'est que jan je pèp la kale, si pèp la chèche une solution, pa ka une solution partielle, kouri de Ariel seulement, c'est kouri tout devant derrière tout nèg qui représente système là. Moi même c'est comme Samuel, donc comme n'a pou analyse tout coup jodi a ki pa trop long, si ris comme wè bagay yo. Non, même d'accord, et de façon rapide, ça dit que nous étions dans depuis que nous commençons l'émission, série d'émissions à haut,
La violence des gangs représentait un moyen de contrôle politique en Haïti, de gestion politique en Haïti. Donc, sous base ça, la violence des gangs étant représentée un moyen de gestion et de contrôle de situation politique en Haïti, nous avons vu que la situation de sécurité a vraiment pour terroriser la population n'a pas qu'à réagir. Pendant ce temps, il y a fondé des marches dans les Nations Unies pour demander aux soldats pour venir aider et contrôler la situation, parce que les soldats étrangers aussi pour aider à gérer le système là, pour aider le système à survivre. Et ensuite, violence à haute, quand vous allez me sauter contre tout ça, c'est l'on réfléchi, il y a un petit genre étrange. C'est pendant que la résolution des Nations Unies a collé, avec la Chine qui a mis des pressions, pourtant des guerres qui déclenchent dans le Cité Soleil. Donc, on vient sentir que ça a son argument pour être en faveur du renouvellement des Nations Unies. Or, là, nous gardons des niveaux d'immoralité des Nations Unies, l'immoralité binu et le cynisme de la communauté internationale par rapport à ici. Pourtant, on a mouru, ça va dire qu'il n'y a pas rien, pendant qu'il a parlé de l'autre dossier, il a parlé de l'Ukraine de l'autre pays. La Haïti, c'est tout petit, on est tout ça. Donc, c'est cynique. Et on ne laisse pas la racisme systémique de tout. Donc, on va conclure. Je le sens dans le cadre de. Si oui, tout va passer bien, par contre, ça va passer ou bon problème à son. Gardez sous tes cas, changez de position. Oui, violence, les vins qui ont aspect de gestion politique. Son bail politique, c'est ma insécurité. Et pour finir rapide, comme nous n'avons pas le temps, l'organe des implications pour diagnostiquer le bail épiscopal, l'église épiscopale, tout le monde ça. Donc, pourquoi l'église épiscopale dit qu'il n'y a pas de commande des âmes? Si l'église épiscopale parle d'un commande des âmes, c'est encore plus grave. C'est-à-dire que le monde qui a accès à des informations à tout le monde concernant l'église épiscopale pour commander des âmes, on a été posé des jours. Combien de personnes en Haïti? Ah bon, non, on va pas bon, si, changer de position, on va bon, même on passe mal là. Oui, nous dit que. Va bon, non? Est-ce que tu as dit que l'on a? L'âme d'un dos. Ok. Quand la question que vous nous posez, c'est combien de conteneurs vous avez en Haïti pour ONG ou l'Église qui gagnent des armes à munitions qui sont passées là-dedans? Donc, comme d'hab, dit qu'il est coupé, il dit que l'Église qui soit basée, il n'y a pas commandé des armes. Si c'est vous, l'Église n'a pas commandé des armes, la situation vient encore plus grave. Comprenez que gagner un service d'opération clandestine pour déstabiliser Haïti et que vos services sophistiqués pour ça. Parce que qui monde qui a accès à information, à toutes données, à des papiers officiels de l'Église, pour qu'a fait conteneur passer sous nous. Et dans ce ministère de la Culture, ministère des Finances, ou qui gagne tout dossier ça, et ministère du Plan qui gagne tout dossier ça. Donc ça veut dire que si l'Église épiscopale dit, c'est pas pour lui, c'est pas lui-même qui commande, est-ce que gagne monde dans le ministère de la Planification, ministère Finances ou bien ministère des Cultes, qu'elle servit avec papier l'église là pour faire question ça, pour nous venir et réponse à question ça. C'est ça. Donc, situation capable d'Haïti à cette situation politique, c'est pas sécurité liée. C'est Négo qui l'a d'ailleurs utilisé sécurité ça là. Et puis d'ailleurs, depuis là, il y a le soutien à l'Amérique là, il semble que vous avez une situation à vous faire pour aller en Haïti. Et Négo argumente toujours qu'il y a une élection qui a fait en Haïti, c'est faire insécurité. Et nous, par exemple, les Nations Unies, ça veut dire que c'est une violence qui a comme objectif contrôle politique. Et c'est cynique, parce que l'homme a dit qu'on a tué le monde. Il n'y a pas qu'à marcher dans votre coin. Le peuple a théorisé qu'on a fait tout un peuple ça, des millions de citoyens, camarades, pas fait juste pas pour les pouvoirs politiques privilèges. Ce n'est pas grave. Donc situation ça a son situation grave. Donc si vous m'avez si vous l'autre point vous voulez aborder pour semaine ça
on va montrer à un autre point, donc parce que nous avons un point tout qui est important. Bon, le point, c'est l'immoralité qui est dans le niveau de l'État, par exemple, dans une situation de aide alimentaire et aide cantine scolaire dans le Nord. Et puis direction cantine scolaire, général, là, il blâme le directeur département de la Nord parce qu'il dénonce ça. C'est l'État qui pourrit dans tout niveau. L'État pourrit dans tout niveau. L'État est un organisateur de corruption, de violence, de détournement. Et là, on ne sait pas comment ça. Il y a Ariel, tout qui est un bon ministre qui est impliqué dans un bon dossier. Ministre de Justice, ou t'as été impliqué dans le droit. Ministre de l'Éducation, c'est-à-dire que ce sont des associations de malfaiteurs qui capturent l'État. Donc, et qui a chassé les gens au dette. Il y a un peu l'argent, il n'y a pas touché, le peuple a souffert, et puis il y a contrôlé l'ARIA, il y a fait gestion des gangs, de façon pour empêcher que la population réagisse, il y a pas fait durer le pouvoir, parce que si elle est dans l'élection de demain, le peuple a voté contre eux. C'est ça que je veux ajouter. Bon, moi, je remercie pour l'intervention de Cyrus. Et donc, développement ça a été fait dans le pays d'Haïti, côté au saisi ZAM dans Port de Paix. Nous voyons que vous avez lagué et moun, commissaire gouvernement Port de Paix a lagué moun qui était saisi balio près de 25 000 cartouches. Et nous voyons que suite à commissaire gouvernement qui lagué, nous voyons tout que vous avez révoqué commissaire gouvernement. En même temps, tout directeur adjoint dans la direction affaires judiciaires, ministère de la justice, sont certains au bout, ils ont révoqué, ils ont demandé à arrêter. Mais question fondamentale qu'a posé à qui autorité politique qui tire les négios pour faire laguer moun qui te vine avec 25 000 cartouches, pour qui ça a caché moun ça, pour qui ça a caché non moun ça. Je vous l'ai à une nouvelle nous vient apprendre c'est que et commissaire gouvernement et directeur affaires judiciaires, raison qui fait que vous avez des qui viennent avec toute cartouche, fait que vous avez une autorité politique qui te relè. Qui autorité politique ça pour qui ça va pas bailler non ni. L'autre bagaille qui est très important et pour nous poser question dans le futur, l'État a à peu près 20 ans l'a saisi balle, l'a saisi ZAM, l'a saisi équipement qui a entré dans le pays qui a un rapport avec ZAM. Mais une question que m'a posé aujourd'hui et nous-mêmes comme auditeurs dans cadre sécurité à pour nous poser, qui côté l'État a un répertoire de toutes ZAM ça et toutes balles ça que au saisi. Côté database là et qui contrôle civil qui gagne sous database. Faut pas oublier que c'est dans démocratie que nous y est. Dans démocratie, c'est la suprématie de l'autorité civile sur les autorités policières et militaires. Donc, database de toutes armes qui saisissent dans l'État, soit les armes qui saisissent dans la douane, les apprentrés, les armes qui ont saisi dans l'opération contre gang, les armes qui ont saisi dans l'opération contre drogue. Qui est-ce qui contrôle toutes armes ça? Combien d'armes que nous-mêmes en tant que l'État, parce que l'État est pour nous lier en tant que peuple, l'État pas nous, combien d'armes qu'il saisit qui existait côté armes ça qui est-ce qui gagne contrôle? Est-ce que bon superficie civile du ministère de la justice pour qu'un database ça? Qu'est-ce qui gagne database ça? Donc question ça jusqu'à présent nous pouvons jamais gagner réponse à question ça. Qui est-ce qui gagne contrôle database ça? Donc moi-même non analyser question ça son démocratie que n'a bâti. Donc moi-même les raisons les poser question ça et pour me pas personne problème non c'est pour nous bâtir démocratie non pour pas gagne dérive. Est-ce que zam ça que au saisien gagne commissaire de police qui gagne compagnie sécurité est-ce que dans compagnie sécurité ça OK aller est-ce que c'est sécurité parlementaire qui joigne yo ou bien est-ce que même moun ça que au saisi zam nan li ba on comme pas en bas et puis il vient reprendre zam nan avec balle là dans la police côté zam ça yo. Qui est-ce qui gagne répertoire? Donc, moi-même, je n'ai pas insisté aujourd'hui, ou même auditeur, et m'a répété ça plusieurs fois pour vous, et m'a répété encore aujourd'hui. Dans tout pays, les gens qui ont théoriques ou les gens qui insécurité, le premier côté que l'État a frappé, c'est les gens qui ont tête insécurité.
Dans le pays d'Haïti, structure sécurité à nous comprendre bien, son structure parallèle qui vient à deux niveaux. Premier structure générale de sécurité à ou gen oligarque, politicien qui a sponsorisé gang yo et gang yo. Par exemple, l'on prend Tolbert Alexis, il crée 400 Marozo. L'on prend SDP, ou Nenel Kassi, ou prend André Michel et Latrier, c'est au formé 400 Marozo. Et Tolbert Alexis, c'est lui formé chien méchant. Donc, ça veut dire que si nous connaissons tout la sécurité qui est dans la tête de l'oligarque, par exemple, Pacha Vob gen contrôle Nenel, et Dimitri Vob gen contrôle Kato, John Joel Joseph, Batio Joseph, René Monplaisir, Reginald Boulos gen contrôle Tiougan, Iska, Ti Gabriel, Genève, dans Simon Pelé, Latrier. Dans tout pays du monde, lorsqu'on soutient la sécurité, l'État fait vie, ici aux États-Unis, à CIA, FBI, NSC, l'armée, et Team Six, SIL, tout seul gain pour couper tête en sécurité. Qui est nous-mêmes dans le pays par nous, devant 100 frais accès nous, ça coule. Et pour j'en ai banalisé la vie, c'est qu'on coupe d'adou la vie, pas voir, sans peuple, pas voir. Et ça à cause de racisme systémique que nèg yo mette dans l'état qui fait que sans peuple a pas voin qui l'a n'a craser tête insécurité a bah il faut prendre tête là oligarque qui dans insécurité yo faut descendre ou prendre politicien qui dans insécurité yo après ça pour la terre pour l'amour sans jour qui l'a appli iso chien méchant tout l'autre yo qui l'a n'a commencé faire travail systématique ça songe ça pasteur a te dit en honnête à financer en bas net. Qui l'en a pris trois soutiens sécurité à nous craser? Si vous qui soit dit sous ça parce que nous pas carrément trop longtemps. Négio Stanley c'est démagogie après. Par exemple, le commissaire gouvernement ça peut expliquer. Là, nous avons révoqué un commissaire gouvernement qui pose un acte aussi grave comme ça. C'est une bêtise à passer ou même qui citoyen haïtien, c'est une bêtise à passer victime insécurité. Donc, on profite de ça pour nous dire pour qui ça va être organisation de monde qui est victime insécurité. Parce que pour les gens, il faut structurer la tête pour poser problème. Vous imaginez, c'est que son bar est simple. L'on a des ministres, c'est ça son équipe qui sont dans le NIC. Il y a une équipe qui contrôle. L'équipe qui met le directeur général de la police, là, c'est une équipe encore qui est contrôlée. Et il faut oublier, vous dites, ministre justice qui l'a, c'était fait 6 mois de prison dans le NIC pour question de drogue. Pour question de drogue. Donc c'est même bagaille négocié fait. Et monsieur c'est avocat tout sous Genève, avocat Dimitri Vob et avocat personnel Ariel Henry. C'est ça. Donc ça veut dire que c'est les mêmes sont ça les gardiens, gérants système là, gérant dans sens créole haïtien, gardien système là. Donc l'on bien garder, ça veut dire que là on commis ce gouvernement quitter toutes armes ça va passer. Ça va dire négocié révoquer commissaire, que ba nèg l'cob yo dit bon qui va problème n'a révoqué. Et puis ou même les autant de révoquer commissaire ou satisfait. Et puis après ça, yo ba nèg lon lòt job, yo mete nèg an cabinet yo, fè monsieur fon ti kafon nan cabinet yo. Après ça, le pral reparèt sou comme commissaire comme lòt bagay. Même Jean ministre nèg sa pa reparèt sou comme ministre justice. Donc pour nous conscient de ça, yo pa ka juste comme si nèg révoqué nèg la infini. Yo ta supposé arrêter monsieur, mené une enquête, ki moun pour qui ça la gè moun yo, ki moun ki te bay cop pour la gè moun yo. Qui moun ki te rele, faut avoir fait des CPJ non enquête sur téléphone li, qui moun ki te rele, débat comme ça son façon menel devant la justice pour condamner pour ça faire à voie pénitentiaire nationale. Donc j'en dis à nèg yo c'est y a font mise en scène à la vie nous. Nèg va prendre peuple là pour rien, y va prendre la vie moun yo pour rien, y a font mise en scène à la vie moun, yo arrêté moun, yo lagué, yo ceci cela, mais l'essentiel c'est qui ça, zame la passé, cartouche passé. Et il a fait l'argent dans kidnapper les monde dans ransot les monde il a pillé l'état yo gè l'état dans main yo yo gè la justice dans main yo wè ça au fait yo dit que yo rentré envahi et parquet parce que yo détruit des dossiers y compris dossier qui incriminé Nenel Kassi là bien garder tout bagage yo ou ouais là garder toute action ouais orienté vers yon monde vers un groupe monde et qui c'est monde et comment on est ça SDP yo. Donc c'est-à-dire que Nexario pas pour vie peuple pour rien yo Nexario yo aussi raciste à tout yo noir yo aussi pas vle ouais peuple là que blanc raciste c'est ça les esclaves de maison parce que depuis où sont les classes moyennes ou reste avec oligarque là automatiquement sont esclaves de maison ou réfléchi même gens
avec mettre là qui sont liga et vous pensez que c'est mettre là quoi et c'est ça nous te gagne une reproduction de réalité coloniale que nous te gagne donc c'est ça qu'a fait là donc si vous m'a bord 2 minutes pour conclure parce que je dis à nous dit nous pas prêter nous pas prendre monde dans téléphone nous bien regrette ça c'est même bagarre qu'on a fait dimanche prochain mais sur troisième dimanche là n'a retourner normalement avec vous passer temps normal avec vous nous regrette ça auditeur donc si vous ça conclut de façon générale sur développement général pays a et puis moi-même m'a fait une conclusion pas si vous conclut non oui donc madame auditeur dans intervention ça que nous permanent 4 minutes là je suis capable de l'émission en vivant et parce que nous connaissons des mots de la radio dans des difficultés funéraires et pareil comme ça. Nous sommes conscients que nous sommes en sécurité, parce que l'administration de la bagaille, c'est sûr que nous sommes chargés, le monde qui a fait des activités, on a des vidéos, le monde qui a des droits d'âme, qui a dit que les amis, nous ne sommes pas capables de bouquer, nous ne sommes pas capables de circuler. C'est-à-dire que pendant que l'État a pris des pays depuis 200 ans, pendant que maintenant l'État a pris des affaires, au moins, c'est pas une chance de dégager dans la RIA. Là ça aurait les marchés informels, mon affaire petit commerce, petit business. Je ne veux dire, ne veux retirer ça non, va dégager dans la rue. Ne j'ai fait comme dans armes, j'ai fait comme dans munitions, y a pas son babedi. Tout petit monde que nous voyons dans l'école l'État, nous voyons dans lycée qui étudie droit, qui je dis avocat, qui ont dans système justice ça, au lieu que yo défendre pays a. Au lieu que défendre la société qui investit pour eux, qui font pile investissement dans eux, ils préfèrent mettre au service de l'oligarchie. Ils entrent dans la logique à chercher l'argent. Donc, sous base à chercher l'argent, ils méprisent la vie. Ou, la vie n'est pas importante. Et la gars, ça met nous dans ça. Mais, dans le cas d'émission, nous n'avons pas perdu l'objectif. Nous va perdre du cible, nous va quitter que yo distrait nous était constant principal là. C'est un système qui a utilisé violence depuis dans tout l'esclavage pour capable de contrôle pays et pour capable mettre au kembo dans système d'exploitation et de domination. Donc la violence joue un rôle de domination sociale. Donc oligarchie qui contrôle appareil l'État, lui organiser la violence et appliquer la violence. Et c'est bien malheureux que pour l'international, le temps pour Binikini, qui a supposé faire son travail de aider les haïtiens, Mounsa, au lieu que vous faites ça, vous plus rentré dans la dynamique de consolider le système. Donc ça veut dire que ça ne fait que les haïtiens ou dans la bataille. Diaspora, ou doit connaître que nous-mêmes, nous sommes en bataille parce que même si nous sommes en oligarchie, nous mettons en esclavage. Ou même quand nous travaillons, quand nous passons la misère, il faut vous être sain. Là, vous êtes comme en Haïti, son diminution de pouvoir d'achat ou, sauf sans doute la côté qu'on pense aux États-Unis, si Haïti est bien mené. Si Haïti est un pays qui est bien mené, si vous avez un monopole, vous avez investi, vous avez participé dans le business. Ou même qui d'asport et qui a aux États-Unis, on va recevoir comme d'Haïti. Ou qui a chita aux États-Unis, on va faire partie du business qu'on gagne en Haïti. Mais n'est-ce que ça a offert, il y a maintenant un esclavage. Donc, réaction nous tout comme peuple, pour nous goumer, pour nous casser ce système-là, pour nous détruire ce système, parce que, ben, là, grave. Ça n'a pas d'Haïti, là, ça a un travail terrible. Ça n'a pas remonté, violent à remonter avec l'esclavage. La vie n'a pas de aucune importance, ça veut dire que faut que nous réagissons, nous ne pouvons pas garder. Et moi, je remercie aussi, Cyrus, auditeur, et nous avons répété là encore. Le système de Naboumé là, il n'a pas respecté la vie, il n'a pas respecté le monde. Le système de Naboumé contre lui là, pour lui-même, il n'a pas représenté rien. Krazo, la gouate la, son détail qui est lié, ou pas rien. Et système n'a pas gagné, il pas utilisé pour le détruire par rapport à l'objectif qu'il gagne. Système n'a pas gagné, qu'il organise. Il a tout le président Jovenel Moïse parce qu'il a crasé le système baisé sous CA. Jodi a, système n'a pas mette Ariel pour venir remembrer tête li. Ariel pas carrément brisé système là parce que joue calé.
système n'a pas comme Montana pour remembrer tête li à Fidjan. À comme Montana chiré parce que joue calé. Système n'a vin avec à copain pour remembrer tête li. Peine pas à marcher parce que joue calé. Système n'en vient avec Aristide pour garder si Aristide qui a fait un coup d'état sur la public. Ou tellement intelligent, ou passer Aristide nan bêtise parce qu'ils sont moun fou qui saisit. Donc force là, force réelle là, malgré tout ça, système n'a fait, c'est ou même. Moment arrivé pour craser système nan, pour craser chaîne ça, qui a fait sans couler, qui a banalisé la vie. Avenir pays, c'est nan mon ke liye comme citoyen. Jou décide ou prend la ria ou pas ka résout problème nan partiellement. Ay di ke sou prend la ria konta Ariel, ou ap tout profite prend la ria konta Aristide, konta Copen, konta Montana, konta 11 septembre, konta SDP, konta Nenel Kassi, konta André Michel, konta Tolbert Alexis, konta tout nèg ki représente système nan. Ensemble oligarque yo. Et où est qui j'en oligarque yo semaine ça yo fait sans couler dans cité soleil pour bay argument dans réunion vendredi 15 juillet dans conseil de sécurité pour ça y a chercher à pour si moun yo fait sans couler a ça permettre joindre mission militaire pour venir protéger yo parce que système n'a craser au besoin militaire étranger pour venir protéger yo yo tout tourné là nan men yo ça veut dire que les nèg yo gardé ça qui passé Sri Lanka côté peuple passé prend premier ministre passé prend président passé prend moun ki nan système nan système nan vin remettre l'autre premier ministre Sri Lanka passé prend encore les regarder ça qui passé Ghana yo wè que système nan pral craser tout en Haïti yo gen tan wè que nou pral passé prend Aristide nou pral passé prend Ariel nou pral passé prend oligarque nou pral passé prend Fridjan et Latrier tout nèg ki nan akò yo. Donc madame la lim la li besoin bagay en dans Nations Unies soit pour renouveler Bini soit pour mettre en mission militaire c'est ça chercher là dans tout le monde cité soleil et moun k'ap fait tout le monde cité soleil là c'est oligarque qui fait tout le monde cité soleil yo ka joine ça chercher ou même son peuple intelligent ou comprendre ça k'ap passer a c'est Congo président Jovenel te dit et si nous met tête nous ensemble n'a mette tout vagabond en bakon. Vagabond à cravate, vagabond ceci, vagabond cela. N'a mette tout en bakon pour nous craser le système. Nan. C'est là nous campons, auditeur. Et nous dédouons nous pas la plomb. Je dis à bagage de téléphone. Donc nous espérons que nous causer rapide ça que nous faisons avec ou après nos bagages. N'a fait le même jour l'autre dimanche. Et puis sous troisième dimanche, nous avons retourné normal, vin joindre nous. Nous espérons que même qui t'attendez là. Et ou après nos petits bagages. Bonne petite patience, nous avons retourné sous. Si vous êtes là, nous quitté avec la musique. Comme d'habitude, nous toujours quitté. Et nous quitté avec la musique, ça, auditeur, pour deux minutes. Et pour profiter et songer que dans trois dimanches, nous sommes normal avec vous. Nous saluons tout le monde, nous saluons tous les hommes et tout le bon Dieu béni. Mon excellence, nouvelle ça a tracassé moi. Nouvelle ça a tracassé moi. A te président Alberto Rappel mon excellence Amérique simple nouvelle santé à gassé moi m'écoute nouvelle santé dans moi a une heure du matin nouvelle ça arrivé sous moi les mandes ça gagne président assassiné de tout côté a campé qui étonné ça des révolution pays a qui commencé au chef du battement des bourrives. T'as pris au bas pour Haïti souple. Oui, nous en danger. Nous pas contre ça qui va le passer. Oh Dieu, si on m'a souple, passe la vie nous en danger. Nous touyel, gadjan nous touyel, ouais. Nous faisons gros plots politiciens, nous touyel, ouais. Nous touyel, mais c'est nous touyel, ouais. Pour politique, pour voir pays, nous touyel, ouais. Gajanu tu yelwe, u politik pe ya gajanu tu yelwe.
Mon vie connaît est-ce que m'en rêve aussi nous aussi m'en j'éclair. L'impossé à que ta pays Godoulé kap manje kem. Président Jovenel Moïse l'a mort traumatisé complètement. L'aim fin confirmé dans journal première occasion. Ou prenons l'en mort tragique. Le monde entier a crié. Vous avez pouvoir devant politiciens pays. Pas de personne qui est panier. 17 octobre 1806 tout est assassiné en pérenne nous. Et un jour pour nous sentir Jovenel tap défend le terrain nous. Pas qu'à côté combien petit pour nous le un pile projet. Et tirer ça c'est pour peuple ou toute masse de plate fier. De ou potentialité ou ak nous te gen même ressemblance. Vous en faites pour peuple haïtien, c'est l'homme en juin comme récompense. Nous souhaitons condoléances avec la famille Moïse. Et souhaitons bon rétablissement à première dame Martine Moïse. Kouati pour Haïti, la kibé là nous pas blaguer. Qu'on construit ce pas en paix, la natigue pour venger. La natigue pour venger, pour venger. Nous touillons, gadja nous touillons. Nous faisons complot politicien, nous touillons. Nous touillons, mais c'est nous touillons. Pour politique, pour pays, nous touillons. Yo kase kon delivrance tout pour avli pays à gâcher. Jou fait la tombe dans de l'eau. Non c'est pas jou sale pourri. Pas jodi, pas demain. Haïti a concouru. Président Jovenel Wale, mes airs vous y arrêtez. Malgré système n'a gué force ou tapez résister. Sans un son peuple qui mourit, sauf qu'un poko en batte. Président Jovenel nous pas oublié, aucun amour reposé en paix. Nous touillons, gadjan nous touillons. Nous faisons complot politicien, nous touillons. Nous touillons, mais c'est nous touillons. Pour politique, pour voir pays, nous touillons.